Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief. Exceptionnellement, on n'est pas seulement sur YouTube ce soir, mais aussi sur Instagram et sur Facebook, émission spéciale, une émission qui sera consacrée au National 3 en exclusivité, la deuxième partie de l'épisode 17 entamée la semaine dernière. Une émission qui, comme vous allez le voir, va être amputée de plusieurs rencontres par rapport à ce qui était prévu. En National 3, le choc des Yvelines entre l'AS Château et l'OFC Les Mureaux a de nouveau été reporté. On va parler dans quelques instants des duels entre l'EFC Flair et l'AG Caen, entre le CMS Wassel et la réserve du Havre, ainsi qu'entre QRM et la réserve de QRM et le FC Dieppe. On aurait dû vous parler aussi du match de National 2, lui aussi reporté à Évirois et FC Lorient, mais en raison de conditions toujours compliquées au niveau de la pelouse du stade Pierre-Comte, eh bien, le match entre l'AS Évirois et le FC Lorient a aussi été reporté ultérieurement, on y reviendra plus tard. Donc on va commencer cet épisode avec une partie exclusivement dédiée au National 3. Et on va commencer avec l'un des matchs les plus importants, un match sous tension entre une équipe de l'AG Caen depuis longtemps dans la zone dangereuse et un FC Flair qui s'en rapproche dangereusement, le FC Flair qui n'arrive plus à trouver le chemin de la victoire depuis de nombreuses semaines. On regarde ensemble ce qui s'est passé dans ce match particulièrement animé, vous allez le voir, avec des actions, début de match, notamment pour le FC Flair qui va buter inlassablement sur le portier de l'avant-garde, Pascal Michelizzi, les occasions qui se succèdent et le portier Canet qui réussit à faire merveille. C'est une rencontre à ne surtout pas laisser filer pour les Flériens et pourtant ils sont à deux doigts de se faire surprendre sur cette situation, mais le face-à-face à l'arrivée finit par être remporté par Valentin Prévost. Et vous le voyez sur la contre-attaque, on joue les coups à fond du côté du FC Flair. Les hommes de Tony Rouillon bien déterminés devant leur public à retrouver le chemin de la victoire. Mais à nouveau, Michelizzi qui réussit à faire des miracles sur sa ligne. On arrive à l'un des tournants de cette rencontre, le défenseur Canet Julué qui part à la faute en position de dernier défenseur. Madame l'arbitre Maïka van der Stichel qui met la main à la poche. Le pénalty est accordé au FC Flair, mais en plus de ça, l'ancien Virois voit rouge et doit laisser ses partenaires à 10 contre 11. L'occasion en or donc pour le FC Flair d'ouvrir le score, mais l'occasion va être finalement saisie par Pascal Michelizzi, encore lui de briller en s'interposant sur cette tentative sur pénalty. Le FC Flair laisse passer sa chance, le corner qui suit est l'occasion pour les Flériens de se rattraper, mais à nouveau Michelizzi impérial pour sortir ce ballon de sa lucarne. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et derrière à la 40e minute, le ciel qui va s'abattre sur le FC Flair qui évoluait en supériorité numérique depuis l'exclusion de Julué, qui va se retrouver après la 40e minute, lui aussi réduit à 10. Geoffrey Gosselin voit rouge à son tour. Les deux formations qui vont donc terminer cette rencontre en retard à 10 contre 10. On en arrive à la deuxième période désormais avec l'avant-garde qui se propulse devant et Benjamin Beaufils sur ce corner bien récupéré qui réussit un bon contrôle en extension et a enchaîné rapidement. 56e minute, l'AG Caen ouvre le score après avoir subi de nombreuses situations. S'ensuit donc à 10 contre 10. Pas vraiment un siège du FC Flair, mais malgré tout, de nombreuses attaques tentées par Ralph Cotoy et ses partenaires. Mais ça ne veut pas. On a beau multiplier les situations et essayer du mieux qu'on peut côté flérien de s'infiltrer dans la surface, pardon, ça ne veut pas. Mais finalement, c'est sur un nouveau coup du sort et un deuxième penalty accordé par Madame van der Stichel que la différence va être faite. Et cette fois-ci, Ralph Cotoy, dans le temps additionnel, parvient à tromper enfin Michelizzi, le FC Flair qui s'évite le pire en réussissant à prendre un point, un petit point qui ne fait peut-être pas les affaires des deux formations mais qui a le mérite de les faire avancer toutes les deux. Le FC Flair qui va devoir retrouver le chemin de la victoire incessamment sous peu parce que vous allez le voir au classement, la situation désormais n'est pas la plus favorable même si pour l'instant on s'épargne de tomber tout simplement dans la zone de relégation pour l'avant-garde.
Caennaise, eh bien c'est un point de prix, un point qui aurait pu être plus intéressant si d'aventure il n'y avait pas eu ce penalty concédé dans les derniers instants. En tout cas, deux formations, Flair et la Gécamp, qui vont être amenées certainement à continuer à lutter pour leur survie dans ce championnat. On en vient à une autre rencontre de bas de tableau, un match en retard entre le CMS Wassel et la réserve du Havre, un duel entre les deux frères Gomis. On y revient dans quelques instants. Vous le verrez au niveau du scénario de cette rencontre. Une partie entre deux formations donc, qui veulent prendre des points importants pour s'éloigner de la zone rouge. Le CMS Wassel qui va mieux depuis son succès, ses deux succès d'ailleurs consécutifs, et qui, vous le voyez dans les premiers instants, s'exécute pour mettre en difficulté Paul Arnier, le gardien de cette formation havraise, mais sans succès dans un premier temps. Le Havre va mieux aussi de son côté, qui sort d'une victoire à domicile. Et les Havrais qui doivent dans un premier temps parer au plus pressé, même si dans le jeu c'est assez intéressant ce qui est proposé par les Hackmen, et vous allez le voir, ils vont même passer tout près de marquer un superbe but sur cette tentative du gauche qui vient cependant rebondir sur la barre transversale d'Axel Temperton qui n'avait pas esquissé le moindre geste. On est quasiment sur la même situation quelques instants plus tard cette fois-ci, le cadre qui se dérobe complètement et on en arrive au premier tournant de cette partie. On joue la 68e minute, petit débordement et la frappe en première intention de Guy Noël Zouri, 68e minute, qui trompe enfin Temperton et qui retire son maillot de joie. Le Havre va mieux depuis quelques semaines, ça se voit, et les Havrais qui parviennent à prendre les devants dans cette partie 1-0. Ça commence à sentir bon pour les Hackmen, et malheureusement on va se relâcher du côté Havrais. Emrys Gomis, on en parlait tout à l'heure, duel frontal avec son frère, c'est Emrys qui réussit à marquer à la 83e minute le but est bien du 1 partout. Son frère Yoni Gomis en face ne peut pas esquisser le moindre geste. Il va rester du temps dans cette partie. Le Havre qui va avoir la dernière situation à la main ferme d'Axel Temperton pour préserver le point acquis par le CMS Wassel. 7 points pris sur les 9 derniers possibles du côté des hommes de Draman Dylan, pardon. On se satisfait certainement de cette unité. La dynamique est bonne du côté du CMS Wassel. Elle est aussi du côté de la réserve du Havre. On voit dans quelques instants les conséquences sur le classement. On en vient à une autre rencontre d'importance pour le bas de tableau. La réserve de QRM, lanterne rouge avant cette salve de matchs en retard, qui a battu une carte importante face à un FC Dieppe en plein doute depuis le début de l'année civile. Et la dynamique, en tout cas la logique du classement qui va être respectée au stade Lozé dans un premier temps. On part d'une touche, la relance de QRM qui n'est pas suffisante et la reprise derrière instantanée d'Enzo Bevin, 32e minute. L'enroulé du droit qui fait mouche, qui part directement dans la lucarne d'un Adel Aboudou qui n'a pas pu esquisser le moindre geste. 1-0 à la pause, le FC Dieppe semble parti pour reprendre sa marche en avant. Deuxième période qui commence et tambour battant, QRM qui va réussir sur cette contre-attaque éclair à revenir au score. Vincenzi Diomandé, 64e minute, qui reprend idéalement ce centre venu de la droite. Alexandre Lefebvre ne peut que constater les dégâts, un but partout, il reste 30 minutes à jouer, il y a largement suffisamment de temps pour le FC Dieppe pour venir égaliser. Adama Sidibé va notamment sortir du banc, mais à nouveau les attaques éclairs de QRM qui vont faire mouche. On retrouve les joueurs de QRM justement dans la surface. C'est la reprise d'Adrien Antunes, 79e minute. Voilà, le FC Dieppe totalement retourné. 2-1 pour QRM, 2-1. Ce sera le score final de cette partie. QRM qui va se redonner du baume au cœur. Et le FC Dieppe qui n'en a pas fini avec ses soucis. Ça semble compliqué hein, d'imaginer désormais un retournement de situation dans ce championnat. Et le FC Dieppe qui va devoir, malgré des ambitions annoncées, non pas par le club mais par les observateurs, qui va devoir certainement définitivement se résoudre à poursuivre l'aventure en National 3 et peut-être commencer à devoir regarder dans le rétroviseur, parce que voici les conséquences sur le classement après cette salve de match. La Svillers-Houlgate au sommet toujours évidemment avec 35 points en 16 matchs, et vous le voyez, le FC Dieppe 6ème position, même nombre de matchs joués que la SVH, mais 11 points derrière le FC Dieppe qui aura énormément de difficultés à moins d'un retournement de situation invraisemblable dans ce championnat à rattraper le promu. Le FC Dieppe peut encore croire évidemment au podium qui n'est situé qu'à 4 et 5 points devant, mais le FC Dieppe va peut-être aussi devoir surveiller ce qui se passe derrière lui au vu des dynamiques actuelles. Le FC Flair 11e et potentiel relégable n'est que 6 points derrière le FC Flair qui se maintient grâce à un but tardif contre la Gécamp.
hors de la zone rouge, l'AGK en premier, relégable, QRM qui délaisse la place de Lanterne Rouge aux Mureaux qui n'ont pas pu jouer ce week-end. Enfin, vous voyez, le SMS OSL et la réserve du Havre après leur match nul du week-end restent en dehors des zones dangereuses. On se retrouve la semaine prochaine, journée 18 avec un beau programme. La réserve de QRM qui recevra l'AGK, Diep qui est en train de réagir du côté de Divcabourg, le derby des réserves entre Malherbe et le HAC évidemment. Le match pour peut-être enfoncer le clou, la SVH qui se rendra du côté de l'US Alençon. On parlera également de National 2 avec la réception par l'US Grandville du FC Bordeaux. Un coup à faire pour les Corsaires en haut du classement. La SVRO à la lutte pour son maintien tentera de gagner du côté du stade Briochin. Un match importantissime pour la SVRO. Voilà, c'était un épisode extrêmement rapide, mais on a pu vous montrer tous les buts inscrits ce week-end. Donc merci énormément à tous nos contributeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour, on l'espère, un épisode à 9 matchs, National 3 et National 2 confondus. D'ici là, bah évidemment, prenez soin de vous. Rendez-vous sur Foot Normand pour découvrir de nombreuses actualités sur le football régional, amateur comme professionnel. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Allez, salut !